Salut mes poutines adorées. Aujourd'hui, on va aller jouer dans la neige. T'as le mal de mer? J'ai le mal de mer. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement sérieux, à savoir le sujet de l'hiver à Montréal. Est-ce qu'il est aussi abominable qu'on le dit? Oui. Non, je déconne, c'est pas vrai, je suis méga frileuse, genre la meuf la plus frileuse au monde. Si moi j'ai réussi à résister, n'importe qui peut le faire, je vous le dis. Au programme de cette vidéo, du rire, du fun, comme à chaque fois bien entendu, mais aussi un compte rendu des conditions climatiques ici, les jolies lumières de Montréal et plein de choses amusantes à faire. J'en profite au passage pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça fait plaisir. J'adore vous lire et puis surtout avoir vos retours sur les vidéos et puis des suggestions éventuellement de vlogs que vous aimeriez voir. J'en ai pas mal en attente, je les note toutes dans un petit cahier, donc je vous oublie pas. C'est juste que, bah, comme vous le savez, avec les études, bah, c'est un peu compliqué de combiner les deux. Voilà, c'était le petit moment émotion. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ou pas. On est le 16 novembre et devinez quoi? Les premières neiges tombent, les gars. On est en hiver, ça y est, je vais mourir de froid. J'adore, c'est trop beau. La période de Noël, bah, sans neige, c'est un peu tristouné, je trouve, donc c'est parfait. Mais je sais que je vais vite déchanter parce que bah, je suis grave frileuse, je vais décéder. Donc voilà, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal, je serai morte de froid. L'hiver à Montréal, c'est des décorations de Noël disponibles même avant qu'Halloween soit passé. L'hiver à Montréal, c'est des jolies lumières. L'hiver à Montréal, c'est des patinoires aussi un peu partout au centre-ville. Ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas au centre-ville, il y en a partout. Certaines te prêtent même des patins gratuitement pour aller t'exploser la tronche. L'hiver à Montréal, c'est aussi des conditions climatiques douteuses. C'est-à-dire qu'un jour, il va faire moins 29 degrés avec de la neige jusque-là, le lendemain, il va faire 8 degrés, le surlendemain, tu vas avoir du verglas, et puis après, tu vas encore avoir de la pluie tranquille. Un peu venté cette nuit. On dirait bien. Oula, oula, oula. Je suis rentrée chez moi il y a une demi-heure. Il n'y avait absolument rien sur la route. Tout était normal. En une demi-heure, voilà ce qui s'est passé. Il y a de la neige partout. C'est depuis les trottoirs qui vont avec des flaques d'eau jusqu'à ton mollet. Voilà, voilà, ça passe. Ça glisse à mort. Il y a du verglas partout. Ça glisse trop. Aujourd'hui, on est le 17 janvier. On est encore en distanciel au niveau des cours, mais c'est mon premier jour de travail à la bibliothèque. Du coup, je dois me rendre sur place. L'hiver à Montréal, c'est du Québécois bien équipé. Ils font des coucou, ils sont trop mignons. Mais ils cassent les oreilles aussi. On est dans le désert, ça peut pas être une tempête, mais c'est un bruit. C'est juste du fun. Moi j'aime. En plus, la ville de Montréal propose des activités gratuites pour tous, un peu partout au centre-ville. Pour fêter le début de la semaine de relâche, j'ai proposé à Alan d'aller faire un petit tour, donc patinoire, restaurant, bah, pour me faire plaisir, pour décompresser, et puis parce que ça faisait juste bah, des mois qu'on s'était pas vu. Et bah, je vous ai filmé tout ça, bien entendu. T'as vraiment tout ramené ta maison là? Non, j'ai pris un suite. C'est cool, si j'avais trop chaud avec la veille, je me découvrais un peu. Ce mec n'a jamais froid, il me tue. Il a jamais de manteau, même par moins 15, il est bien. Ça fait
depuis que l'hiver a commencé, que je rêve de patiner. Oh oui, bah tu peux serrer là, franchement. C'est surtout que c'est pas mes pieds, pas mes sensations, donc je peux serrer quand même. Alors Alan, oui, a oublié d'appuyer sur le bouton. Non. La première fois que je faisais du patin, je lui ai demandé d'immortaliser le moment. Alors je n'ai pas oublié, je pense que avec mes gros doigts, j'ai appuyé sur le bouton arrêt. C'est pas pareil. Ça marche. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Y'a du blanc! Ne te refracture pas la clavicule! Laquelle? Celle-ci ou l'autre? Cette piste est mignonne, mais il y a des trous partout. Elle est dangereuse. Comment on pourrait dire? Dans ma vie, comment on pourrait dire? De quoi? La piste de glace, elle est identique aux routes de Montréal. Ah, il y a des trous partout. Il y a des nids de poules. On est en train de faire une mauvaise vue, mais c'est vrai. Faut pas le dire. Les vrais simples. Bon, je vais ranger mes doigts parce que c'est quand même moins 15. Alors j'ai pris la tour de confiance. Ouais, c'est bon là. On est parti. Avec la bonne musique, il va bien là. Hein? On va encore sur de gueuler parce qu'on circule. Bah, c'est bon. Circule. Circule avant que je te bouscule. Circule avant que je te bouscule. Alors, Alan, il est mi-confiant. Oui, j'ai trouvé un trou sur la glace que j'ai pris de plein fouet. Je m'ai penché sur le doigt avec ta lame. Voilà, je lui ai défoncé le petit doigt. Non, celui-là. Alors. Oh shit, I'm sorry. Je tiens à préciser que. C'est pour la vidéo. Non, c'est pas pour la vidéo, mais monsieur s'était cassé la clavicule il y a pas longtemps. On sort un peu. Oui, mais c'était en vélo. Comme quoi, je suis pas doué dans tous les sports. Maintenant, on va aller jouer ailleurs. Oh, oh regarde. Ça brille de mille feux. Vachement chiant comme petite lame de poche. Il m'a éclaté la... Faut qu'on aille là. J'espère juste qu'avec mon poids, je vais pas la laisser en bas. Ça veut dire que t'es fidèle? Oui. Ah oui, j'ai personne. Ah ouais, t'es fidèle à ta main. Les deux. Oh. Mesdames, avis à la population féminine, Alan a développé des habiletés avec ses doigts. C'est le prince Alan et son gros doigt magique. Pour ceux qui ont la référence. Oui, non, c'est plus joli là-haut. Oh. Si, regardez, il y a des belles lumières. Yeah. Alan, ça va? Oui. Tranquille. Bah, j'ai un gros proton devant moi et pour le feu c'est pas ma bite. Il est confort. On a déjà calé? Non, on n'a pas calé, il faut rentrer les gens quand même. T'as le mal de mer. J'ai les mal de mer. Vache. Alors, ça on c'est... On est déjà en haut. Ouais. Et voilà, c'est fini. Merci d'être venu. Alors, je crois que c'est la roue la plus la rapide dans laquelle j'ai été. Allez, on est déjà en bas. On est en bas. Mais regarde, c'est beau. Et elle a le droit de faire du 70, la roue. Il est content. Attends, les champignons. Je veux essayer, c'est vachement satisfaisant. Moi j'essaye là-haut. Pourquoi? T'es raciste? Il faut que je gagne bien mon temps pour les vider. Ouais. Moi j'aimerais bien jouer aussi. Attends, c'est du bon. Ah là, tu peux aller jouer? Oui, tu peux aller jouer. Franchement, faut que tu regardes. Ouais. Après, faut que tu checkes. Franchement, si tu vas assez vite, tu vas peut-être tomber de la balançoire gamin au-dessus là. Oui, c'est beau coton-tige. J'utilise les mêmes pour les tests crues. Ils sont un peu moins lumineux. Donc ce soir, on va manger ici. Oui. Vers l'agneau heureux. L'agneau heureux. Je peux te dire que l'agneau, quand on aura fini avec lui, sera plus heureux. On a vraiment des vannes de beauf, c'est vrai. Vous auriez pas une paille. C'est pas relevé tout de suite. Mais c'est relevé après. Logique. Ouais, mais c'est honnête. Franchement, ça va.
sens-le, parce que je sais que tu vas pas me regretter. Alors c'est mon anniversaire demain, et Alan m'a fait une petite surprise, il avait pas oublié. Voilà. Alors que toi, t'avais oublié. Oui. Pouf. Une enfant de 34 ans, et j'ai 34 ans. Il y a d'autres armies et fans de K-pop, là, parmi ma communauté, là, juste pour savoir. Je sais que j'en ai 2-3, là, déjà, dans mes petits papiers. Mais s'il y en a d'autres, on sentira un peu moins seul, quand même. Donc manifestez-vous avec un petit drapeau coréen dans les commentaires, je compte sur vous. Moi j'ai froid, je vais augmenter le chauffage. Bon alors, juste, le buffet, t'as trouvé ça comment? C'était un buffet à volonté déjà. Eh ben c'était bien à volonté. C'était bien et bon. Franchement, tout était délicieux. Et en plus avec ce petit saké. Ouais. Ah c'était génial. Ah, franchement on a la peau du ventre bien tendue. Ah. J'ai de plus en plus honte de mes références. On vieillit. Moi j'en ai eu pour 40$ avec le pourboire, c'était 35 ou 36$ sans pourboire. J'en ai eu pour 60, mais en même temps j'ai mis un gros pourboire. Il me fait passer pour une radine, sérieux, j'y crois pas. J'ai pris le saké pour moi, donc ouais. C'était un peu normal. Bah voilà, t'es content, tu reviendras. Ouais, je reviendrai. I'll be back. Et pour finir l'hiver au Canada, que serait ce vlog sans une activité typiquement canadienne et hivernale? Aujourd'hui, je m'accorde un petit break et on va faire des glissades à Saint-Jean-de-Mata. Et on se retrouve aujourd'hui avec Dylan, Laetitia, Chung et Lily, que vous aviez rencontrés pour la première fois dans mon vlog sur les activités plein air. Le yo-ho plat, hein, que je vais vous faire juger dans les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. Ça va, je suis pas alsacienne, pourquoi? C'est un mélange Deutschland Alsace, là. Ouh là là. Les origines qui ressortent. C'était vraiment bien. Comme vous avez pu le voir, la grosse frileuse que je suis a tenu bon sans problème. Et franchement, il faisait pas si froid que ça. Donc je vais pas me plaindre. Le pire c'est quand il y a du vent et qu'il fait moins 20, là ça commence à piquer sévère, mais encore une fois, c'est largement gérable quand vous avez les bons vêtements. Je vous ferai une vidéo à ce sujet prochainement pour que vous sachiez quoi prendre quand vous me rejoindrez au pays de la feuille d'érable. Et sur ce, je vous laisse retourner à vos occupations. A plus, bye. Alcoolique va. Ah, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ah, ça fait trop longtemps. Mais il casse. Ouah. Enfin bref, pour fêter le début de la fête de relâche, comme vous avez pu le voir, la grosse fileuse que je suis. La grosse fileuse. Oh, j'arrive pas à parler. Et sur ce, je vous laisse retourner à vos occupations. Ah, j'ai failli bien le dire. Ah. Et pchut, les chats, des jours comme ça, voilà, voilà. Ça m'a l'air pas mal de près comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mimou? Ouh, quel gros caca, elle vient de péter. Bon, Kimé, maintenant t'arrêtes, hein, sors de ta litière, là. T'as fait un gros caca, ça va mieux maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu
fait tout ce bruit? Moi, elle veut des câlins. Ouh, tu. Pop.